Ils oublient ma souche, commencé par le Pink Paradise, Private Street Club, Gros TNG, Big Bill, Vêtements Travail Racing, ainsi que le reste de la bouche Super Club, le Builder 66, Maxime Lamas Pelletier. Le pilote de la voiture numéro 66, Maxime Pelletier. Maxime, comment ta saison va cette année? Ouais, c'est ça, mais il fallait faire absolument deux courses cette année avec la série Sportsman Saint-Eustache pour être éligible à Trois-Rivières. Donc aujourd'hui, c'est ma deuxième présence à l'autodrome pour avoir mon laissé-passer pour Trois-Rivières. Donc on prépare le Sportsman pour Trois-Rivières parce que ça serait. C'est comme important dans le fond. On a eu du plaisir à Icar, on a eu la chance de se rencontrer à Icar. J'ai quand même très bien. Donc, on a décidé d'y aller à plein régime pour le Grand Prix de Trois-Rivières parce que en Sportsman, en gagnant la course de Trois-Rivières en Sportsman, tu peux être accès à un volant de la série Canadian Tire pour la finale à Trois-Rivières en Canadian Tire Series. Donc, c'est très alléchant pour nous. Puis, vu qu'on n'a pas le budget nécessaire pour aller dans la grosse série, on va essayer d'y parvenir avec notre véhicule. Exactement. Laval ici à Saint-Eustache. Oui. Trois-Rivières, Pays-Corps, c'est des boutiques. Oui. Est-ce que tu te sens plus à l'aise que Laval? Ah, ben c'est sûr que moi, ma carrière de pilote, ça a débuté ici à l'âge de 13 ans. Je suis rendu à 27 ans présentement, donc j'ai tout le temps grandi sur un ovale. J'ai une base en Formule 1600, j'ai un diplôme de pilotage quand que j'ai obtenu à 13 ans pour avoir le droit de courir ici à l'autodrome parce que j'ai été pas mal le premier jeune de bas âge à chauffer un stock car au Québec. Donc, ils m'ont obligé à avoir une licence de Formule 1600. J'ai vécu un petit peu de circuit routier à l'âge de 13-14 ans. Puis, regarde, on a recommencé ça cette année. C'était ma première présence à Icar. Puis, on a couru contre des bolides qui, je vous dirais, 40% plus performants que le mien. J'ai été capable d'aller rejoindre le propriétaire de M. Arsenault. J'ai été capable d'y mettre un petit peu de pression, mais vu mon handicap d'environ 75 forces de moteur, c'est sûr que quand on lit long stretch, ça nous a donné un léger désavantage. Et c'est ça, on parlait avec le directeur du circuit de Trois-Rivières, il disait que les voitures qui étaient à Icar, ils ne seront pas admissibles au Sportsman. Exactement, non, parce que ça prend un moteur scellé. Eux, c'est des moteurs scellés, mais de ACT, qui est un petit peu plus supérieur, des têtes en aluminium, plus de horsepower, plus de torque. C'est pas la même chose pour en tout. Tes chances sont très bonnes. Non, c'est sûr, là, on a un léger désavantage parce qu'il y a un jumelage avec la série Sportsman Québec. Fait que, il nous donne un restrictor plate pour mettre ça en dessous du carburateur pour réduire l'admission. Fait que, on va essayer de voir si les rendements sont vraiment légaux de ce côté-là. Domination totale. Un bon applaudissement pour le vainqueur. Ouais, bleu, blanc. On va faire une séance de photographes.